Quand je te dis c'est la merde. Go 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 go. T'es où? Je vois plus. Mais j'ai pas de. Rentre dans la maison, fais. Y'a des gaz, y'a du gaz. Ah puis y'a la zone aussi, Julie. Mais c'est horrible. Jamais vu une situation aussi horrible. Oh, oh putain, c'était quoi ça? Au secours. C'était quoi? C'est quoi ce coup de pompe? Oui. What the fuck? Calmez-vous, messieurs. Il a tiré par la fenêtre en glissant. Il a touché le mec avec son pompe. C'est un fou. Coucou, Oscar. Oh, mais il est complètement gaga de son chien. Putain, on a pas joué la même game, Lucas, quand même. Mais moi, j'ai passé mon temps à courir avec mon scout avec 800 balles. Mais moi aussi, j'avais qu'un scout. Oh putain. Allez, pas d'âme. Vas-y. Pas d'âme. Tu es roux. Allez. Tu es roux, Harry. Mais cette cohérence d'Harry Potter, qu'est-ce que c'est? T'es quel roux à 4 roues? Ah oui, c'est ça, viens me parler de cohérence avec Harry Potter, vas-y, je t'attends. Oui, je suis cohérent, mais... C'est vrai qu'Harry Potter, au final, c'est pas très cohérent. Attends, il y a de la, c'est de la magie. Allô. Non, mais... Est-ce que depuis le début, elle avait prévu que Rogue, c'était un agent secret? Enfin, un agent double. Ouais, en vrai, il y a plein de trucs. Bah, je pense que déjà, Rogue, à la base, c'est juste un prof. Hein. C'est ça. Un peu vénère, quoi, c'est tout. Non! Putain, fils de chien! Elle est combien sur 10 Ray? Salut les Ray! Salut l'Empire! Salut les Ray! Vous faites quoi ce week-end, les clés? 18 cm de long, 4 de diamètre. Okay. Il est à terre. Je crois que monsieur parlait de son fibre. Mais je suis pas. Mais sérieux, ça c'est sur YouTube ça. Genre une nana qui se fout des crèmes sur le cul. ASMR, je me tartine le fion. Oh mais sérieux, ça passe sur YouTube. Ah un coup. Ouais, non, en fait il y a. Putain, mais il y a vraiment. Jacques Villeray, vous le noteriez combien sur 10? Je crois qu'il va foncer. Le blanc va foncer. Putain, mais voir les. Pourquoi il lance ça? Elle a lancé ça. 1 sur 10, mais quel bande d'enfoiré. Il reste... Elle a lancé son ulti, je suis là, mais ils sont dans un bad. Oh là là. Je sais pas s'il l'a eu. Ah si, il l'a eu. What? Oui. Attention. Je vois qu'il y a pas de tir allié. Bon, mais on va se barrer, je pense. Ouais, je pense. Je peux me faire ouvrir le cul. Non, c'est Moïse qui ouvre la mer, je sais plus. Non, et lui, il ouvre la mer rouge. La mer Égée, je sais plus. La mer Égée. Je sais pas, moi, j'en ai rien à foutre. Ça, c'est pas. Alors, vraiment pourquoi... fait. C'est pas cohérent, bordel. Oui, c'est pas. Ça manque de cohérence. Parce qu'après avoir battu le Minotaure, Moïse, il a ouvert la mer Égée, là. C'est... Et puis après, il est devenu aveugle. Il a guidé tous les animaux avec son arche. Et il s'est tapé sa mère. Et il a volé avec un cheval avec des ailes. Le fameux cheval avec des ailes qui n'a sûrement aucun nom. Mais par contre, s'appelle Pégase. Putain, c'est d'ailleurs c'est marrant comme nom. Pégase. Ah ah, voilà. Les Grecs, c'est cru. C'est drôle. C'est blagueur, c'est grec. Les blagues sur les paix, c'est toujours les meilleurs. Déjà, je vois le titre apparaître, le générique, j'ai frisson quoi. Toi, t'es la cible marketing, c'est tout. Ah bah ouais. Arrête, allez, vas-y, la seule goodies que j'ai, c'est le sabre d'Anakin. C'est tout. Moi, j'ai une photo nue de Nathalie Portman, pardon. Un goodies, ça. Enfin, c'était le goodies de mon papa. Oh, si je dis ça, bon, j'ai quand même un putain de Star Destroyer en Lego, pardon, mais... Bah, moi, dans mon garage. Oh, vraiment? De temps en temps. Oh, qu'est-ce que je... Oh, putain, je viens de looter quelque chose de stylé. Oh, bah, ça... Moi j'ai des trucs, des Lego. C'est des Lego Star. J'en ai plein, j'ai aussi des Seigneurs des Anneaux. Ben voilà. Ils ont annoncé Avatar 2 pour... Une petite coupure. Ils ont annoncé Avatar 2 pour dans 2 ans quoi. Les gens qui l'attendent, ils en peuvent plus. De quoi ils attendent quoi? Avatar 2.
Il a annoncé pendant 2 ans, quoi. Mais non, mais ils en ont annoncé 5 d'un coup. Non, mais surtout que, mais genre. Bah, déjà, cette allure, genre le 5, ils auront en 2050, et puis. Je te dis pas le nombre de gens qui vont les attendre au tournant, quoi. Genre. Si le film est pas exceptionnel, ils vont s'en prendre plein la gueule, quoi. Mais en plus, Avatar, c'était un film qui se suffisait. Mais en plus, un ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont raconter, tu vois, qu'est-ce qu'ils vont. C'est juste des mecs bleus dans la forêt. Non, mais qu'est-ce qu'ils vont s'emmerder ouais, en plus, c'est Pocahontas, quoi. Mais en plus, ouais. Je l'ai vu il y a longtemps, mais genre, j'ai pas spécialement eu de le revoir, en plus, genre. Ok, c'était beau, mais c'est tout. Enfin, moi, j'avais bien aimé, mais j'avais 12 ans. Mais voilà, c'est ultra simple comme histoire. Hein. Les Américains ont été boutés de l'Amérique du Nord. Enfin, les États-Unis. Les indigènes ont gagné. Ok, faudrait que je regarde Ready Player One aussi. Ouais, Ready Player One, bah. Moi finalement je fais pas tant de références que ça et quelques références que j'avais, genre les références Shining, un film que j'ai détesté. Je pense que tu as magnifiquement vu la référence Gundam. Oui, mais parce que y avait vous, je savais que c'était des Gundam. Tu lui direct. Pas cité, il y en avait qu'un, mais. Non, mais. L'autre c'était. C'est parce que, bon, j'entends dans la salle Gundam. Il était juste à côté de moi. J'ai pas de variant, je sais pas pourquoi tu essayes de me faire passer, mais. Pour un mec complètement taré. C'est ouais, comme c'est les gonzesses. Ça. Comme les gonzesses qui voient leur chanteur préféré. Moi, c'est Mpokora. Moi aussi. Les gens qui ont du succès et qui ont pas de talent sont ménards. Ah bah moi j'en ai pas en tout cas du talent. C'est quoi le talent? C'est un peu de midi-chlorien. Parce que le temps, enfin je sais pas comment tu le définis mais... Moi j'ai le talent d'Achille. Taper des mobs pendant 10 heures... Oh si je vais le faire putain. Oh tu vas te calmer toi. Ça se rappelle l'anecdote de Terra qui disait... dans sa maison et il croyait ramasser les céréales par terre sauf que c'était des larves de mouche. Oh c'est dommage qu'ils en refassent pas un ce week-end de Miss France, qu'on ait de nouveau une soirée bof. C'est la Miss France de la semaine. Mais ce serait bien, ça serait genre ils font genre toutes les 2 semaines ils changent comme ça, y a pas de personne qui est élue et elles passent toutes, voilà. Pas de jalouse. Le nom c'est elles ont le droit de se représenter. Je me représente. À mon avis, non. À mon avis, non. Elles sont trop vieilles. Non, je crois que tu peux être élu qu'une seule fois, Miss de France. Non, mais élu, bien sûr, mais se présenter si t'as pas gagné. Alors que Balkany, il faut. Est en prison, mais il peut. Il faut la chair fraîche. Bah, si la meuf elle a fait 18 ans, elle peut le faire l'année d'après 19, ça, je veux dire. Elle est plus fraîche. Oh putain. Elle est moche. Dès que tu mets l'écharpe, ça te fait perdre 30 ans. Oh yes. Tendance dans la catégorie France, je l'ai été violé. Ouf. Yes. Je crois qu'on va se marrer, hein. Ouf. Moi j'ai été jaune. Mais... Moi si tu veux le sein, j'ai pas vu, mais ça a l'air. D'accord, Lucas. Ah oui, t'es mis à côté. Bah oui, mais c'est pas moi de Thorez en fait, c'est stratégique. Il est parti faire quoi, Nicolas, en fait? Dormir. Ah. Il est parti. Dormir, n'est-ce pas? Ah oui, dormir. Dormir! Cette activité solo, ça fait des feux d'artifice dehors. C'est un peu très beau. Parce que je pense qu'il fait un peu humide pour faire des feux d'artifice. En fait, c'est de la guerre, je ne sais pas. Bah, tu passeras tout seul. Donc comment te dire que je me serais déjà coupé de 3 couilles? Quand je commence une blague et que je peux plus m'arrêter, ça dure. Dans mon livre, la blague il ne s'arrête jamais. C'est dur. Ah c'est comme ça que tu l'appelles. Oui parce que la vie sort de la bouche des hein. Pas du tout. Quoi? C'est pas ça. Non c'est la vie dure. Ouais, mais après il y a l'autre blague. Tu sais c'est pas drôle de rire de la pédophilie. Quoi, la blague de Rangalo. Il faut que j'aille traire mes vaches. Non, ma Lorraine natale. Sur une télé vidéo à la ferme, je vous avais jamais revu. Eh bien, chez moi. J'invite chez traire mes vaches. Ah oui? On n'a pas écouté la même version, toi.
J'aime bien les animaux. Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je les baise un peu. Allô. À l'huile. Maître. Oh, on est que deux, maître. C'est trop bien. Pour faire des trucs tout seul. Je me rends compte qu'on va casser en discussion. Lucas, ce n'est pas Fortnite. Ce n'est pas Fortnite. Mais non, mais j'arrive pas à avancer. Parce que tu es censé regarder vers le sol. Pour gagner en vitesse. Ah oui, c'est vrai. Mais il est où mon faucon millénium? Si, c'est pas Fortnite. Il est où mon cheval? Ah, oh, si t'as un cheval dans Fortnite, tu me rappelles, mais... Pouf-moi par le cul. Ça, c'est dans The Human Centipede, c'est ce qu'elle a dit, la dame. On peut passer par le cul. Non. C'est pas dans The Human Centipede. Si, si. Ça pourrait être un excellent crossover, d'ailleurs. Pourquoi il était pas dans le blind test? C'est dans Kingsman, ça, monsieur. Mais je sais, mais... C'est encore plus horrible. Si vous voulez, on pourrait le faire dans le cul. Bougez pas, je reviens tout de suite. Oh. C'est ce qu'il dit après. Ah d'accord, j'ai cru que tu y allais vraiment. Il te rappelle pas d'accord. D'accord. Moi je fais pour rien. Fait. Je jouis comme ça moi. Moi qui fais la gueule. C'est que. Ils m'ont dit, Nicolas, on t'a entendu chanter Heidi. Oh non, 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 non. Elle t'a encore sorti, mais t'es complètement zinzin. Elle m'a dit, mais complètement fada. Ah, notre pote, il a fait un temps de survie de 0-0-0. Putain, j'arrive pas à tank, c'est catastrophique. Les mobs, ils sont 4, ils se baladent dans toute la salle. Mais tapez-moi, c'est moi qu'il faut taper. Ah, tolérance pour la défaite, putain. Antisémite. Je suis antisémite. Moi, je suis anti-mythe. C'est raciste envers les mythes. Ce sont des êtres comme... Il faut de la place pour ma souris. C'est comme ça que je l'appelle. Oui. Oui, il est pour souris. Mais putain, tuer ce putain de destructeur au garde du feu. Pardon. C'est mon autisme. T'es un peu maudit, Lucas. Ah, c'est pas grave, on va regagner 24 points du coup. Ah mais c'est chiant. Ça. Ah, on se casse. Mais je suis tombé dans la lave. T'es vraiment c'est le pire dans la situation de... Mais on a rien à perdre, c'est bon. Oui, mais... C'est pas parce qu'on a rien à perdre que tu devais te jeter dans la lave. Je peux jeter dans la lave, c'est mal atterri. J'ai rebraqué au dernier moment parce qu'il y avait des gens. Je cours comme un bambi. Parce que tu es un bambi. Pourquoi je me fais bail là? Putain, mais je lag à mort. Je m'identifie comme Bambi. Je suis opprimé. Je me sens oppressé parce qu'un chasseur tentait de me tuer. Je suis Bambi. Bamboleo, bamboleo. Tu la cola, bébé, rassi. Ouais, c'est les Africains, ça. C'est l'accent. Bien ton racisme. C'est quoi que j'ai dans la bouche là? Hein? C'est ma bite. Si seulement ça pouvait être ma bite. Tiens, en parlant de bite dans une bouche. Raconte-nous tes péripéties. Oh, l'aventure de. Non, je voulais parler du gouvernement, ce qu'il nous fait. Je voulais vous parler de promotion au sein de Kemp. Non, mais mon casque, c'est vraiment un FDP. Allô? Oui. Mais non mais répondez pas, vous faites une blague. Hey lol. Je te déteste. T'es plus mon copain. Tu l'as jamais été. Mais ah ouais. Philatora c'est mon copain. Bravo Lucas, tu tires sur les gens. T'as envie dans les jeux. Oh non. Oui. Mais vraiment. Comment il fait pour tirer d'en haut le mec? Il a pas l'angle d'incidence. Hagrid, c'est mon copain. Ah, Darbassa, moi, elle était drôle. Oh, mais y'en a d'autres. Il l'a volé. Y'en a d'autres. Il arrive, il est. Tout de la harde. Il arrive. Le sperma, tout de la. Oh, il arrive. La balle était donnée. Au de la tour d'Humbledore, il s'est craché. Du haut de la tour d'Humbledore, il s'est craché. Donne-moi ton corps, baby, so baby. Non, non, c'est interdit. Je sais pas ce que je nous fais, mais. Je fais ce que je veux d'abord. Peut-être. Et pas comme toi, tu te détaches.
C'est ce que j'ai fait. Bon, on ne dit rien. vous connaissez là. C'est cool, j'avoue, j'ai joué un truc que tu me critiques. Qu'est-ce que j'ai... Bah dis-moi, qu'est-ce que j'ai critiqué? Tout. Tout. À un moment... Tout, vous serez... persécuté comme ça, Lucas. Tu fais de la merde. Qu'est-ce que tu fais de la merde? Mais j'en rajoute, ta gueule. Voilà, là, tu vas vraiment énerver. Ta gueule, alors. Là, tu vas vraiment énerver. Toi qui m'énerve. Vous saurez tout sur mon zizi. Le vrai, le grand, le... Effectivement. Ah ouais. Ok. Déco. Non, je peux pas parce que je suis en train de taper des meubles. Ouais. D'accord, elle est montée là. Lucas, je sais mieux jouer que toi. Lucas, ce niveau-là. Ça, c'était méchant, regarde. Drame en Eure-et-Loire. Non, mais il est là. Tu es là. Alors qu'elle est. T'étais déjà full armure, elle était toujours un. Non, non. Tu étais l'élu, Anakin. Pourtant, moi, quand elle m'est arrivée dessus, je lui ai fait des dégâts sur son bouclier. Donc... Et voilà, et moi. Bravo, hein. Voilà. De quoi voilà. J'ai fait mon propre site personnel moi-même. Allez. Ah, moi j'aime bien les animaux. Bien. Les animaux. Mais toi, on dirait un chat qui recrache son truc. Je sais pas, tout le monde en parle sur Twitter, je sais pas ce qu'il a fait. De quoi? Je me suis Abilal. Logan Paul, Logan. Il a fait un film? Non. Ah, c'est juste à cause du film, je pense pas. Je sais pas, oh, j'ai pas regardé. J'ai... Il a sucé une queue apparemment. Ah oui, oui, j'ai une histoire comme ça. Mais il y a des vidéos, il y a des images. Bah oui, malheureusement, je suis tombé dessus. Non. Ah, mais là, c'est trop story là? Y'a pas eu besoin de beaucoup de recherches, hein, évidemment. Mais merde. Ok. J'ai dû cliquer sur le premier post, je lui dis what, et puis là... Ah mince. Mais comment ça se sort ce genre de truc? Non, pas, non. Comment ça se sort ce genre de vidéo? Bah, soit son pote s'est fait hacker, ou alors c'était... je sais pas, j'en sais rien. Franchement, j'ai pas envie de savoir. Il me fait peur, là... C'est parce qu'il est homo dedans, déjà. Après, ça c'est mieux joué pour moi. L'autre il dit c'est un cheater. Laisse-moi du pain, putain, j'ai même pas d'armes. Bah, j'en ai pas non plus. Laisse même pas de pain dans la bouche, quoi. Putain, le mec il a 550 frags, 550 parties jouées. Je déteste. Putain, y'a vraiment un bar ici, quoi. Ivrogne. T'es pour aller pisser. Tu dis Ivrogne, il va pisser. Con man, y'a pas de chargeur sur le fusil à charge. Ils l'ont retiré. Ah, y'en avait un. Et au tout début, y'en avait un. Raccroche. Dans le rond, y'a charge, donc merde. Fuck. Oui, mais ça n'a aucun rapport avec ça. Putain. De toi. Avec la rémunération. Le charge, c'est pour le fait qu'il est charge à pour tirer. D'accord. La charge, j'ai charge. J'ai charge. Quand tu fais charge dans Pokémon, c'est pareil, le mec il est un chargeur. I play Pokémon Go. Ah, il est retour. Oui. C'est le filtre à Tauras. Oui. Ah. Mais toi t'as pas besoin. Tu as pas besoin pour moi. Je suis déjà follement amoureux de toi. Il y a trop de gens qui t'aiment. Également. Oh, le petit stabilisateur de. Le petit tambour jaune. BRB, allez, le mec est vers son FK, yes, parfait. Il pouvait plus tenir sa vessie là. Encore une bonne femme, ça. Misogyne. Oh putain, on aurait dit Palpatine. Misogyne. Tu te rends compte ou pas? Le soleil il se lève à l'est. Oui, le soleil il se lève à l'est. Exactement. J'avais oublié que j'avais ça. Ça ne dépend pas, mais bon, je dirais. Non, je dirais un site. Il se lève pas. C'est quoi le surnom du Japon? Le pays du soleil levant? Oui. Bah ben, oui. Et mais okay. Ça n'a aucun sens. Pourquoi ce serait eux qui seraient les premiers et pas les derniers? La gueule. Ouais, c'est pas logique. Pourquoi ça serait eux les premiers? Oui, non mais. Pas les derniers, pas le genre de la veille. Non mais c'est parce que c'est par rapport aux pays asiatiques, je crois. Oui, parce que c'est de la Chine, c'est le pays. La Chine, c'est le pays du soleil couchant.
La Corée, je crois que c'est un truc genre le pays de... Pays de mes couilles. Ouais, je sais pas, je suis... Le pays de Kim. Ça se passe où le changement de jour, alors? Le Kim Jong-un. Qu'est-ce qu'il raconte, c'est compliqué, non, mais les fuseaux horaires, ça me pète la tête. Les mobs, bah, c'est toi qui fais jour en Australie. Oh, j'ai réussi, je crois. Oh, je suis le boss. J'ai passé du premier coup. Alors, je mérite bien d'aller faire un bon caca, là. C'est très important de faire un bon caca. Putain. Et what, il y a une arme qui flotte, ton arme elle flotte. Elle était à 3 mètres de toi et elle bougeait. C'est pas droppé cet abruti là. Non, c'est pas mon dernier. Parce qu'après moi ça me critique, mais les autres ça critique pas quoi. Bah eux en fait, ils atterrissent au bon endroit. Non, parce que les autres ils sont meilleurs que toi. Parce que c'est des inconnus quoi. Les inconnus. Alors, les inconnus sont très marrants. Oui. Le truc c'est que toi t'as atterri en plein dans la pampa. Moi je t'emmerde. Putain, mais j'ai de la chance aujourd'hui. Je suis sacrément chanceuse. C'est une fille. Oui, je m'identifie comme une femme. Salope. Connasse. Putain, salope, connasse. Excusez-moi, monsieur Thoras. Ah, c'est mal, je crois que ce n'est pas très légal tout ça. J'ai pour la tarte. Pas très halal. On peut pas orienter la direction du feu. Parce que comment ça décide que le feu il part qui... Parce que ça fait une ligne. Comment il décide la direction? C'est selon ta trajectoire où tu la lances. C'est ma direction. Je sais pas comment toi tu parlais. Quand tu le lances. Ah. C'est en angle droit par rapport à... Quand tu le lances. Tout à l'heure, j'en ai une cellule, elle avait l'air d'avoir fait genre le même angle que mon tir. Deal. Je suis plus con. Ouais. Oh pute. Mais ils sortent d'où là? Ça fait longtemps que j'ai pas sorti mon instrument. Du. Le shit. Je me marre parce que c'était de la merde et du coup. Pourquoi je me racle la gorge, ça n'a aucun sens. Simplement je te dis, je te baise. Au clair de lune. Sûr, en fait. C'est oui, c'était sûr. Putain, j'ai même pas dans ma botation, c'était sûr en fait. Qui-Gon Bermuda. What? Qui-Gon Tablar passé. Mais non, mais c'est un bas, c'est un vêtement, ce que tu dis n'a aucun sens, putain. Moi, ça tombe plus. Ça, bah, si. Ça a pas de sens. Non, ça a pas de sens. Non. Si, c'est un jean. Et Jinny. Ouais, c'est ça. C'est un jean. Après, il y a les jeans, les esprits. Ouais, dans The Witcher. Ouais. Mais il y en a autre part que dans The Witcher. Non, il y en a que dans The Witcher. Les loups-garous, ça existe que dans The Witcher. Moi j'aime bien les animaux. Est-ce que c'est un message qu'il fait passer à Rémi Gaillard? Je sais pas. T'es bête. Ça me bat les couilles. Mais j'en ai marre, pourquoi c'est toujours moi? J'aimerais bien être à ton festival. J'ai vu une grenade et j'ai pas eu le temps de reculer et c'est parti en coup. Bref, je suis mort sur Apex. Regardez, je l'ai regardé, j'ai pris une balle dans le cul, je suis mort. Bref, je me suis fait violer le cul. Si j'avais mon détecteur de mouche, je pourrais, mais j'ai pas de détecteur de mouche là. Mais c'est quoi? Mais super. Super. Non mais je parle pas juste. Non mais c'est totalement une coïncidence. C'est à cause du jeu. Bah super. Par contre, tu m'as depuis Japon. Ah merde. Mais j'ai pas été vendu le bon arme. Je regarde tes armes et là je vois tes filles. Tu vois mes armes. Je veux voir les munis. Attends, mais tu me l'as fait 301 du coup. Du coup, qui est pauvre. Il est où mon R301? Ah, mais il est en dessous, je suis con. Putain! Les gars, c'est un screamer à lui tout seul, putain. Ah bah, tu sais quand il se fait tirer dessus. Parfois, il se fait même pas tirer dessus. Ah, si, on dégoûte. Bientôt, t'en sers de death metal. Parfois, tu peux pas tirer dessus. Je vais me reperdre tout mon medikit que je viens de mettre, quoi. Oh, j'ai bien joué là. Oh, peut-être pas. Oh, Munich. Comme le Bayern. Le Bayern de Munich. Le Bayern de Munich.
mais là j'ai plus rien dans le cul. Au secours. Merci. Oh c'est Noël. Papa Noël il a jeté. Non, c'est dans deux jours. Ah vous avez pris un pad. On prend les mecs dans le cul. Voyons, y a beaucoup de choses qui vont en ton arrière-train ce soir. Oh, un gilet blanc. Un gilet blanc va dans ton arrière-train. Quoi? Je pensais que j'ai tué un mec. Je m'en rappelle même. Non, non, mais non, vraiment. Je me suis pas rendu compte sur le coup. Hein. On m'a assassiné le cul. Encore une fois. Mais du coup, comment tu fais quand ton cul est assassiné? Mais tu peux plus chier. Du coup, tu meurs dans les prochaines heures. D'accord. Non, c'est une question que je me posais, quoi. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé de me faire assassiner le cul. Oh, j'ai fait plus que toi, à la honte. Tu t'es fait plus assassiner le cul que moi? Mais faut que j'aille manger aussi. À toutes. Ouais. À tout à l'heure, ma petite beauté. Il a pas entendu ma petite beauté. Si. Mais what? C'est Oscar qui a appuyé sur le bouton. Sacré Oscar. C'était Oscar. Oscaro.com. Attends, moi, faut que j'aille me viser le cul. Enfin non, la bite. Bah non, il a assassiné. Il a assassiné, du coup faut que je sorte pour l'autre côté. Assassiné, tué. Calme-toi, calme. T'as pris tes pilules? Ta gueule. A priori non. Effectivement non.